Mbappé, Dominique, qui a démarré la rencontre sur le banc, et c'est à noter pour vous. Comment vous l'expliquez d'ailleurs, sa non-titularisation? Je n'y vois pas la main du Qatar qui le prive de 60 minutes parce qu'il a annoncé son départ officiel. C'est que sportif pour vous. Oui, si le Qatar commence à demander à Luis Enrique de pas titulariser certains joueurs, Luis Enrique il va pas finir la semaine. C'est mal le connaître. Donc non, c'est simplement il avait pris un coup contre Brest en Coupe de France. Il avait pas joué le match contre Lille. Il avait joué le match de la Sociedad. Là, il a joué une demi-heure. Voilà, ça va. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France. Il va jouer forcément les matchs de championnat parce qu'il a envie de finir meilleur buteur. Il y a le match retour contre la Real Sociedad. On est dans la gestion du temps de jeu. Luis Enrique adore faire tourner en plus. Donc voilà, ça lui donne des prétextes. Ça vous étonne pas, messieurs, de voir Mbappé plusieurs fois sur le banc? C'est quand même rare de voir un joueur comme ça. C'est le joueur le plus utilisé, Sofiane, depuis le début de saison. Bien sûr. Mais on sait qu'il veut jouer tous les matchs et marquer le plus de buts. C'est très rare, mais on se moquait souvent des entraîneurs précédents en disant, mais ils n'ont qu'un poids sur lui. Finalement, même quand il est fatigué, ils le font jouer. Luis Enrique, on sait une chose, c'est qu'il a une personnalité très forte. Personne ne veut lui marcher sur les pieds. Et là, je suis tout à fait d'accord. Ça m'étonnerait que de Doha, on vienne lui dire, au fait, on va faire jouer tel joueur. Il va dire, très bien, mais moi, je ne suis pas là demain matin. Puis c'est aussi simple que ça. On ne va pas chercher midi à 14h. Et lui, il a, qu'est-ce qu'il va lier? Lui, il s'en va. Il a perdu sa fille de 9 ans d'une tumeur. Oui, c'est pas, on ne va pas lui donner des ordres à 55 ans. Lui, il dit, bon, si c'est comme ça, je me casse. Exactement. Et aujourd'hui, heureusement qu'avec les effectifs qu'ont les gros clubs, on fasse tourner. Mais c'est la moindre des choses. Avec une équipe qui a combien? 15, 16, 17, 18 points d'avance en championnat. Ouais, vous voulez quoi? On répète encore toujours les mêmes joueurs. Et ça veut dire que le jour où vous avez besoin des autres, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, des blessures, des suspensions. La saison n'est pas terminée. Et loin d'être terminée. Alors, je ne parle même pas en championnat, mais même en Coupe d'Europe ou alors en Coupe de France, vous faites venir les joueurs, ils ont 23 minutes de temps de jeu depuis le début janvier. Ça va concerner tout le monde. Voilà, la politique de Luis Enrique, de Marc. On verra le rendement de Kylian Mbappé si le PSG continue en Ligue des Champions, parce que c'est le moteur pour lui. Parce que la Ligue 1, c'est fait. Il va essayer de marquer le plus de buts et il va finir encore meilleur buteur. Mais s'il y a problème face à la Real Sociedad, on va voir qu'il y aura une cassure. Et là, ça deviendra compliqué pour Luis Enrique de faire autre chose. Parce que là, il y a toujours l'objectif Ligue des Champions. Ligue des Champions. Donc, c'est ce qui va les tenir le plus longtemps possible. À partir de là, on pourra se dire un petit peu oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Bon, de toute façon, il faut profiter d'Mbappé, puisqu'après, profitons de Mbappé, profitons aussi de lui. Il faut qu'il se repose. Il y a encore de belles échéances pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a signé un contrat de 5 ans avec le Real de Madrid, selon Marca. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler de son contrat avec le Real de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, selon Marca, les amis, Marca, c'est un journal du Real de Madrid, un journal madrilien, les gars. Selon Marca, Kylian Mbappé a signé un contrat de 5 ans, les gars. 5 ans, donc, il sera engagé avec le Real de Madrid jusqu'en 2029. 2029, les gars. On parle d'un salaire d'environ 15 à 20 millions d'euros. 15 à 20 millions d'euros. Ça prouve que le Real de Madrid ne donne pas des salaires astronomiques. Le Real de Madrid ne donne pas des salaires astronomiques. Karim Benzema, en fin de carrière, lorsqu'il était capitaine du Real de Madrid, il touchait 15 millions d'euros avec le Real. 15. Pendant ce temps, Kylian touchait environ 40 millions d'euros avec le PSG. Kylian touchait environ 40 à 50 millions d'euros avec le PSG. De l'autre côté, tu avais le Ballon d'Or. Karim Benzema qui touchait 15 millions d'euros. 15. Donc, le Real ne surpaye pas les joueurs. Le Real de Madrid ne surpaye pas les joueurs. Le Real de Madrid compte sur leur prestige pour attirer les joueurs. Le Real compte sur leur prestige. Ils savent que c'est un club prestigieux. C'est un club qui sait attirer les joueurs. Ils le savaient très bien. Ils le savaient vraiment très bien. C'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts à surpayer un joueur. Si tu es venu au Real, tu viens au Real. Si tu ne veux pas venir, tu ne viens pas. Ils ne sont pas prêts à payer à double le salaire, à triple le salaire d'un joueur pour venir au Real. Non, c'est toi qui veux le Real. C'est pas le Real qui court derrière toi. C'est les joueurs qui courent derrière le Real. C'est pas le Real qui court derrière les joueurs. Donc, c'est Kylian qui a besoin du Real. Je ne dis pas que Kylian n'est pas un joueur important. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un joueur important. Je dis juste que Kylian a plus besoin du Real que le Real de Madrid. Parce qu'on le voit très bien. Le Real de Madrid tourne sans Kylian. Il tourne sans Kylian.
Ils sont leaders de Liga. Ils sont bien partis pour se qualifier en LDC pour les quarts de finale. Ils sont leaders de Liga, comme je l'ai dit. Bref, tout roule. Tout roule, les gars. Donc, c'est Kylian qui a plus besoin du Real de Madrid. Le Real de Madrid ne supplie pas. Le Real de Madrid ne supplie pas un jour. Tu veux venir, tu viens. Mais pas à un prix exorbitant. On ne te supplie pas. C'est un grand club. Donc, Kylian, selon Marca, il a signé un contrat de 5 ans avec le Real de Madrid. Et franchement, le Real de Madrid est en train de bâtir une équipe monstrueuse. Tu as Kylian Mbappé qui a 25 ans. Bellingham doit avoir un truc comme 21 ans. Vinicius, un truc comme 23 ans. Un truc de ce genre, 22-23 ans. Tu as vraiment une équipe de dingo. Tu as les Rodrigo. Tu as les Valverde. Tu as les plein de joueurs, les gars. Tu as plein de joueurs de qualité. Tu as plein de joueurs. Des pépites, hein. Des pépites, les Kamavinga, les Tchouaméni, des pépites. Le Real bâtit vraiment l'équipe là, ça va dominer le football. Cette équipe du Real, ils vont dominer le foot de fou furieux, de malade mental. C'est monstrueux. Kamavinga, Tchouaméni, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Valverde, Kylian Mbappé, c'est du très lourd. Du très très lourd. Donc, ce Real-là, attention. Attention à ce Real-là. Ils vont devenir comme le grand Barça de Guardiola. Le grand Barça de Guardiola qui a dominé le foot. Qui a dominé le monde du foot. Donc, les amis, Kylian Mbappé, pour moi, il a fait le meilleur choix. Il a fait un choix qui correspond à ses rêves, à ce qu'il veut, etc. Donc, personne ne doit tirer sur lui parce que depuis tout petit, son rêve c'est de jouer au Real de Madrid et il part juste réaliser ses rêves. Il part juste réaliser ses rêves au Real de Madrid. Donc, pour moi, je ne peux même pas lui en vouloir. Je ne peux même pas lui en vouloir parce que il part tout simplement réaliser ses rêves en allant au Real de Madrid. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.